Bon les amis, alors avant de commencer la vidéo, puis te parler de ce qui se passe ici et tout ça, si tu me vois avec le même t-shirt, c'est normal, hein, je te rassure, c'est parce que j'enchaîne les vidéos, hein, tu vois, aujourd'hui, nous sommes le 20 du 7 et il y a énormément de choses qui arrivent. Donc tu as certainement vu ma vidéo concernant l'épisode 3 de chez Jérémy et DLC, hein. Les gens qui te fistent et tu dois garder le sourire, hein, toi. Ben, aujourd'hui, ça sera un unboxing pour changer. Bon, ça vient pas de chez LDC, hein, je te rassure. Mais c'est un unboxing aussi dans lequel il va y avoir un petit coup de gueule. C'est un petit coup de gueule concernant quand même un petit peu l'environnement. Voilà. Alors, ce mois-ci, comme je t'ai montré il y a quelques jours, enfin, je crois que c'est hier ou avant-hier, je ne sais plus. Bon, je te rappelle, aujourd'hui, nous sommes le 20, hein, parce que la vidéo va sortir beaucoup plus tard. Donc, le 19, je t'ai montré en live vite fait ce que j'ai commandé un petit peu sur Internet. Et donc, j'ai commandé un stabilisateur pour mon téléphone et le trépied qui va avec. Ça, c'est le trépied. Et sur le site, c'était marqué comme quoi je pouvais avoir le trépied aujourd'hui, donc le 20. Et le stabilisateur sera envoyé à partir du 22, donc je le reçois le 22. Mais j'avais le choix aussi de... comment dire... qui m'envoie le trépied et le stabilisateur le 22. C'est ce que j'ai sélectionné. Pourquoi? Comme ça, ça évitait bah, déjà au fournisseur de venir deux fois chez moi, parce que ça vient de la Flandre. Bon, ce qui est quand même assez loin de chez de la Belgique, hein, tu vois. Bah, même si c'est à côté, c'est quand même... 200-300 bornes, quoi, un truc dans le genre, ou voire 100 km, je sais plus, enfin bref. Et ben, le site m'a envoyé quand même mon colis aujourd'hui, tu vois, mon trépied. Et que je dis, ben, le mec il va revenir avec le stabilisateur, quoi. Sérieux, les sociétés, putain. Si on vous marque que je veux être livré le 22, c'est pour livrer tout le 22. C'est pas livrer un truc le 20 et recevoir le reste le 22, putain, mais sérieux, quoi. Mais là, c'est abusé. Après, on nous casse la tête, nous particuliers, plutôt que de casser la tête aux grosses entreprises, de faire très attention à l'environnement. Ne pas commander en Chine, ne pas... J'ai commandé en Belgique. J'ai demandé qu'ils m'envoient les deux colis le même jour, le 22, parce que mon stabilisateur n'était pas disponible avant le 22. Ils m'envoient celui-là le 21, enfin le 20, et je vais recevoir le stabilisateur le 22. Et ça provient du même site, lol. Putain, mais sérieux, quoi. Mais bon... Voilà, après on nous casse la tête en nous disant qu'on doit faire attention à l'environnement et tout. Bon, désolé pour ceux qui vont me dire, ouais, t'arrêtes pas de râler et tout. Ben là, c'est un peu logique parce que je suis papa. J'aimerais bien quand même de laisser une planète à ma fille et pas une poubelle, quoi, tu vois. Donc, voilà, quoi. Désolé si je râle sur ce coup-là, mais là, c'est un peu abusé quand même. Hein. Bon, voilà. Là, c'est mon côté papa qui a râlé et puis voilà. Bon, on va passer à l'unboxing, donc je t'ai dit, c'est le trépied, car je me suis commandé le DJI Osmo 3, si je ne me trompe pas dans le truc, dans le nom d'appareil. Enfin, c'est un stabilisateur, c'est une batterie, 80 balles, qui se fait vraiment bien le taf, j'ai vu énormément d'idiots dessus, parce que ça fait peut-être bien 2 ans que j'en voulais un. Donc j'ai eu le temps de regarder pas mal de vidéos sur différentes marques et tout. Et rapport qualité-prix, celui-là fait vraiment le job. Et j'avais dit dans la vidéo, enfin, dans la live d'hier, donc du 19, qu'il n'y avait pas le trépied fourni, c'est pour ça qu'il est moins cher. Après, tu as le Osmo 4, donc le DJI Osmo 4, qui fait 149 €. Lui, il a le trépied fourni avec. Mais 149 balles, et au niveau des caractéristiques techniques, c'est exactement le même appareil que le 3. Il n'y a pas, la batterie n'est pas plus puissante. C'est exactement le même, sauf que tu as le trépied en plus. Le trépied, donc si tu comprends, si tu compares le prix du 3 qui est à 80 €, le 4 est à 149 €. Je vais te faire vite fait la différence de prix. Hein. Donc 149 moins 79 € pour être précis. Tu as 70 € de différence pour le même appareil. Et moi ici. J'ai vu qu'ils vendaient le trépied pour le mien, à part. 27 balles. Donc tu fais 79 € plus 27 €. Donc ça fait 106 € au lieu de 149 €
Donc j'ai quand même donc j'ai le même appareil, sauf que c'est le 3 et pas le 4, pour 43 euros moins cher, quoi. Voilà. Des fois, franchement, je vous jure, des marques, elles aiment vous entuber, mais à une puissance 10 milliards, quoi. Donc si vous faites pas attention, ben voilà. Donc comparez bien les produits que vous achetez sur internet. Des fois, vous pouvez faire des belles économies. Là, j'ai quasiment économisé 50 balles. Et parce qu'il y a des gens qui font pas attention, ils vont dire, oh, j'ai acheté le 4, il doit être meilleur que le 3. Et tu regardes la caractéristique, c'est exact. La batterie fait entre 10 et 20 minutes, que ce soit le 3 ou le 4, c'est pareil. La batterie, c'est la même. Le 4, oui, d'accord, ça sur le 4, oui, t'as le pied sur le 4, pas sur le 3. Ouais, sauf que le 4, il coûte 149 balles, que le 3, tu payes 79 euros, plus le trépied, ben, ça te revient à 106, mais pas 149 euros, quoi. Voilà, voilà les gens. Ah, par contre, DJI, eux, ils sont très écologiques. Ils ont mis cet emballage-là, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est du papier, en fait, du papier plastique, mais qui s'est détériore avec le temps. Dès que ça a contact de l'eau et tout, en fait, le plastique se désagrège assez rapidement, au bout de entre 24 et 48, enfin, j'ai dit, allez, 72 heures, le papier, enfin, le plastique est entièrement mort. Donc ici, on a le trépied, voilà. Je vous montrerai bien sûr l'unboxing du stabilisateur dès que je le reçois. En plus, ils nous fournissent un truc magnifique. Hop. Emballé dans le même plastique. Enfin, par contre, celui-là, il tient bien. Hein. Voilà, hop, on va l'ouvrir. Il t'offre un magnifique autocollant recto verso. Regardez-moi ça. C'est en blanc ou tu le veux en noir? Oh, comme c'est beau. Ah non, t'as carrément les deux, le blanc et le noir, cousin. Ça, c'est magnifique. On va faire la promotion de la marque et on aura un box et on aura des produits gratuits. Hein. Ben oui. Hein. Hashtag, je deviens influenceur. Hein. Ah ouais. Hein. Mon meilleur ami, c'est Julien Chies. Hein. Au passage. Santé les amis, il fait chaud. Donc j'ai un petit ticket qui est fourni avec, avec mon adresse dessus. Mais je pensais qu'ils allaient mettre le prix de truc dessus, mais malheureusement il n'y a pas le prix. Donc ça, je peux m'en débarrasser, on n'a pas le droit. Donc ce trépied là, en fait, je l'ai pris, pourquoi? Parce que là-bas j'avais dit que le trépied, je m'en foutais un peu. Parce que le trépied basse, en fait, c'est juste, c'est ça. En plus c'est immonté, ah oui, c'est immonté carrément. Vous voyez, regardez. Ah, c'est plutôt cool. Bon, en fait, à la base, le trépied, c'est ça. Tu vois. Et tu le vis en dessous de ton stabilisateur et tout, et voilà. Après, tu peux éventuellement le fermer et maintenir le stabilisateur comme ça. Voilà, un peu plus stabilisé. Ce qui est quand même relativement correct. Mais là, il y a un petit souci, parce que normalement, sur le site, il disait qu'il faisait aussi un truc télescope, mais il n'y a pas de télescope. T'as directement la visserie là. Attendez, je vais vous montrer quand même sur le site directement. Je vous reprends juste après. Et re les amis, donc voilà, comme tu le vois, je l'ai payé 27,45€. Et normalement, t'as le trépied, donc je t'ai dit là, toi, qui est fermé. Voilà, le grand tube aussi. Avec la petite visserie ici pour le fixer, pas pour fixer le stabilisateur. J'en profite pour te montrer le stabilisateur en même temps. Mais ici, comme vous voyez, c'est des photos ici. Ça montre en fait qu'on peut le mettre sur un appareil photo. Qu'on peut le mettre aussi pour un panneau LED éventuellement. Hein, tu vois. Le stabilisateur, bah, c'est justement, voilà, c'est celui-là qu'ils ont pris en photo. Bon, bah, c'est celui-là que je vais avoir. Tu vois. Et tu le vis juste en tout. Mais ici, cette photo-là, en fait, c'est moi qui me suis fait avoir par la photo, en fait. Je pensais que le trépied là, en fait, était télescopique, en fait, tu vois, par rapport à la photo ici, tu vois, le mec a mis un grand truc dessus. Mais non, en fait, je viens seulement de remarquer par rapport à la bordure ici, tu vois, là où il y a le plus, là, tu vois, le petit côté gris ici et le côté gris là qu'on voit là, donc ça, c'est le trépied. Et en fait, je viens seulement de le voir ici, le trépied là, je pensais qu'en fait, il y avait un truc télescopique dedans et qu'on pouvait agrandir le truc. Donc, c'est bien juste, donc c'est bien un trépied tout simple.
Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Mais sinon, pour en revenir vite fait, à la commande, tu vois, ça a été, c'est marqué, c'était livré aujourd'hui. Et mon trépied et mon stabilisateur arrive seulement demain, enfin le 22. Et moi, à la commande, j'avais demandé qu'il me livre tout le 22, tu vois. Mais bon, voilà, bon, bah tant pis, hein, ça me fait un peu chier pour deux choses, parce que je pensais déjà faire des tests aujourd'hui avec le stabilisateur si j'aurais pu l'avoir aujourd'hui. Ou sinon, le 22, j'aurais tout d'un coup, j'aurais le trépied et le stabilisateur. Et je vous aurais fait une vidéo complète, enfin, unboxing, puis après une vidéo. Comment vidéo test à part. Donc ici, bah, il y a eu la vidéo unboxing donc du trépied. Et le stabilisateur, bah, il est là, tu vois. Et comme tu vois, tu as le Osmo Mobile 4 qui est à 123 euros. Mais il y avait l'autre modèle. Non, c'est celui-là ou c'est. Attends, je sais plus. Oui, non, c'est ça le 4. Ah bah le 4 a diminué. L'autre jour, il était à 149 euros. Maintenant, il est repassé à 123. Bon, là, j'avoue maintenant que c'est différence, la différence par rapport au prix, elle est moins élevée. Donc ici, c'est 123 euros. Tu payes le trépied. Donc je l'ai payé 27,45 euros. Donc là, tu gagnes. Il y a encore 95,55 de différence. Hein, tu vois, regarde, je vais te montrer. Hop, voilà. Après, tu reviens donc sur mon trépied, enfin mon Osmo à moi. Moi, je l'ai payé 79 euros. Donc on décompte 79 euros. Donc en gros, tu gagnes quand même. Hein, t'es pas perdant. Tu gagnes quand même 16,55 €, ce qui n'est pas négligeable. Franchement, les 16 euros, je préfère les avoir sur mon compte plutôt que me faire un petit peu entuber parce que j'ai acheté l'Osmo 4. Et gimbal, alors que le 3 c'est exactement les mêmes refs au niveau de la batterie, elle fait entre 10 et 20 minutes et tout. Donc tu vois, il n'y a pas même le modèle, c'est quasiment le même. Hein, si tu regardes, tu vois, ça c'est le Osmo 3, tu vois, et voilà le Osmo 4. Tu m'expliques c'est quoi la différence à part le bouton qui change ici qui est pas noir, il est gris, mais à part ça, c'est le design, c'est exactement le même, quoi, tu vois. C'est exactement le même, mais vraiment le même. Alors comme je te l'ai dit, au niveau ouais, voilà, au niveau de la batterie, c'est entre 10 et 20 minutes. Et là, on est bien sur le 4, hein, tu vois, sur le 4 mobile machin. Maintenant je vais revenir sur le 3, il est là, tu vois, voilà, batterie entre 10 et 20 minutes, voilà, il n'y a pas de différence. Et le trépied, c'est pile poil le même. Hein. Y a vraiment pas de différence, tu vois. Le pied, c'est le même. Quand il est replié, tu vois, il est comme ça. Donc voilà. Donc, tracasse pas, il y aura des tests, hein, vidéo unboxing et tests dessus et tout. Donc, après, il y a un autre que Rache, hein, pour ceux qui connaissent Rache à l'arrache, m'a conseillé aussi. Il y avait celui-ci. Voilà. Celui-ci, j'ai vu aussi pas mal de tests parce que je t'ai dit, ça fait 2 ans que j'en cherche un de trépied. Enfin de comment, stabilisateur pour appareil, pas pour appareil photo mais pour téléphone, parce que c'est uniquement pour téléphone là, ceux-là. Ils sont pas assez forts. Enfin, si tu peux mettre éventuellement une GoPro, mais ils seront pas assez puissants pour soutenir un appareil photo par exemple, tu vois. Donc ceux-là, c'est vraiment stabilisateur pour téléphone. Hein. Donc il faut faire très attention si vous cherchez un stabilisateur. Mais celui-là, tu vois, déjà, quand tu regardes tes photos ici, la qualité du plastique ne donne pas envie. Ça a l'air vraiment d'être un plastique très 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 bas de gamme. Et au niveau des réglages, tout se fait principalement manuellement. Tu vois, ici, tu as la barre, enfin, les réglages sur les côtés, le réglage avec la molette ici, enfin, tu as les menus, tous les réglages se font vraiment manuellement, alors qu'avec le Osmo, c'est le truc le plus simple que j'ai jamais vu dans un stabilisateur. Tu as une application que tu peux utiliser sur ton téléphone mobile via la connectique du truc. Je crois que c'est en Bluetooth ou je sais plus quoi. Enfin bref. Ici, tu as la petite roulette ici qui te permet de tourner le téléphone, enfin de faire tourner le bras à gauche, à droite, devant, derrière, enfin le monter en l'air, tout ça. Tu as un bouton REC, tu appuies dessus, ça enregistre tout seul.
Ici, tu as un bouton ici qui te permet de bloquer le bras pour pas qu'il bouge, si tu veux le maintenir tout simplement en stabilisateur normal. Après, si tu le débloques, eh ben, il va suivre les mouvements grâce au moteur. Parce qu'une fois que tu n'as plus de batterie, en fait, il va rester. Si tu le bloques, il restera comme ça. Donc tu pourras quand même te filmer avec l'application de ton téléphone, hein, toi. Donc c'est ça qui est plutôt cool. Enfin, normalement, celui-là, il le fait. Enfin, le 4 le fait en tout cas. Le 3, normalement, il doit le faire aussi. Et après, tu as un autre petit bouton ici, c'est pour les menus. Donc tu vois, au niveau des réglages, c'est super simple. Tout se fait via l'application que tu installes sur ton téléphone et tout. C'est relativement simple, hein. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est très 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 simple. Donc voilà les amis, concernant donc bah, le petit futur unboxing,